Yo les potos, c'est Fantôme. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui on va ouvrir deux box ainsi. Donc ça j'ai déjà ouvert, hein. Voilà, ainsi. Donc voilà, donc j'ai déjà ouvert et en gros on n'a rien eu. On a juste eu un, j'ai ouvert un seul booster vu que la truc vient de s'arrêter. Donc là j'ai juste eu Yveltal, voilà, Yveltal holo. Et donc dans ce pack-là on avait un beau petit pins Zoroark. Et une carte holo Zoroark que je vous fais gagner avec hashtag Zoroark et je prends au pif. Donc là les gars on va ouvrir un petit booster que j'ai déjà fait la technique. Et malheureusement je me suis déjà spoil et c'est un bon spoil on va dire. Bagaïd. Golem à stock. Posipi, Matoufeu. Kaiminus, Muséboué et Pikachu. Et Lolo. Et derrière j'ai vu il y avait une Mewtwo GX. Je suis déjà spoilé, c'est pour ça que j'ai pas une réaction de fou. Excusez-moi, hein, je me suis spoilé sans faire exprès parce que la caméra avait coupé et j'avais déjà regardé. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai rien eu d'où avant, donc ça, c'est pas trop grave. Je vais mettre dans son protège-carte et je vous le montre tout de suite. Voilà. Très belle carte. Un tout petit Mewtwo GX Full Arts. Donc voilà. Donc là, en gros, on a eu. Ok. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai gagné aussi. Je vous ai gagné 4 cartes Zoroark et 4 pins là. Et du coup, il y aura 5 pins et 5 cartes Zoroark holo à gagner. Donc, n'hésitez pas à bombarder dans les commentaires hashtag Zoroark et prendre au pif. Dites-moi si vous voulez que le pins ou les deux. Ou que la carte. Ce serait fou si on avait une brillante là. Énergie feu. Tili, échange, Vortante, Balignon, Kaiminus, Bulbizarre, Pikachu, Limonde, Balignon, je réussirai un molo rapide, monsieur. C'est bien, c'est bien. Bon, je vais aller ouvrir la boîte. Je n'arrive pas à ouvrir ces boîtes. Donc en gros là je suis en train d'ouvrir la deuxième boîte. Donc c'est pareil hein, que ce que c'est le combien de rues. Donc on va exactement ouvrir. Et du coup il y aura pas 5 mais 6 pins et 6 cartes Zoroark holo à gagner. Je me dépêche le plus vite possible. Je casse la boîte, bim bim bam. Hop là, voilà. Hop là je vous montre comme c'est ici. Voilà. Hop là. Oh là, beau petit génie sec chain. Donc là, on va déjà commencer avec un beau petit Mewtwo. Je me dépêche, hein, comme ça, hop là, vous voyez bien. Donc là, j'ai déjà. On va commencer avec le génie sec chain. Ah, okay. Oh, mais qui s'ouvre en 30 secondes, même pas. Bah, 30 secondes, c'est quand même long pour ouvrir un truc. Ok, donc ça, je pose là. Okay, voilà. La rare, elle est juste là. Okay. Si on avait une fantôme dans cette ouverture, les gars, ce serait juste exceptionnel. Incroyable. Énergie combat. Échange. Florizarre, Arbok, Chacripan, Zorua, Gringolem, Pyronil, Bagiguan, Bagiguo, tiens. Faut qu'on m'explique. On peut m'expliquer quelque chose. Pourquoi j'ai que des Mewtwo? Si vous avez pas vu la dernière vidéo, les gars. Donc, c'est incroyable, on a des Mewtwo sous toutes ses formes. C'est incroyable, les gars. Dans la dernière vidéo, on avait eu Mewtwo en fantôme. Là, on a Mewtwo. Mais c'est incroyable, mais what the fuck. Les gars, Mewtwo en... Ouais, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Cette ouverture est juste what the fuck, en fait. Hein. Une, deux, trois. 4, si je me suis pas trompé, oui, c'est bon. Ah non, énergie haut, Fel Inferno, attrape Pokémon, Golemastock, Quillfish, Balignon, Flamiaou, Pyronil, Chacripan, Viridium. Oh, pas le cas, je n'avais pas encore eu celle-là. Putain, mais il s'ouvre ultra facilement celui-là. Et puis, on est déjà à 5 minutes pour 6 boosters, en vrai, ça passe.
En sachant que j'avais déjà en ouvert un parce que la vidéo s'est arrêtée en plein dos, je sais pas pourquoi. Mais moi, c'est pas trop grave. Donc voilà. Ah, je crois qu'il y en a. Excusez-moi. Énergie électrique. Golem à stock. Récupération d'énergie. Léopardus. Mustéboué. Pikachu. Bulbizarre. Charter. Herbizarre. Golem à stock. Et ou pas en holo. Donc ce pack est juste incroyable hein, en soi. Prendre du Zoroark, je vais aller le remettre là. Parce que si je vous le fais gagner, il ne faut pas que je perde la carte. Donc tout ça, hop là, ça va partir sur le côté. Là, encore deux petites secondes, je vais tout ranger. Hop là. Ça, sur votre champ de vision, vous voyez. Voilà, comme ça. Donc là, les gars, on va s'ouvrir un gros machin ainsi. Enfin, vous ne voyez pas, mais le problème, c'est que si je dézoome, la qualité sera vraiment dégueulasse. Ouais, c'est tout. Je suis obligé de zoom. Donc là, je suis en train d'ouvrir la box, les gars. Allez, hop là, voilà. Hippie. Oh là là, oh mais non, ça me rend nostalgique, ce truc. Parce qu'il faut savoir que, à une époque, j'étais un très... Mais... J'étais un collectionneur de... Mais comme vous avez pu voir la collection, j'ai énormément de cartes rares. Parce que pour l'époque, j'en avais plein. Et là, il y a notamment des vieux boosters. Et notamment, il y a des... Dans ces vieux boosters, on peut y choper des ex. Et notamment, une carte que je voulais depuis que je suis... Depuis que je commence à collectionner, mais que je n'ai jamais eu. En espérant qu'on l'aura. Parce que si on l'a dans cette vidéo, les gars, je deviens taré. Reculer tout ça, hop là. En gros, c'est ça. Je peux pas dézoomer. Hein. Enfin, je vais vous dézoomer, mais vous allez voir la qualité. Voilà, tout de suite, c'est un peu moins... Je rezoome un tout petit peu, hop là. Voilà, comme ça, c'est bien mieux. Donc, on a déjà la grande carte. Celle-là, je vais la laisser parce que, voilà, vous l'avez vu. Elle fait 1000 de dégâts avec 500 HP. Magnifique! Je mets les petites cartes promo sous protection, les gars. Après, je vous les montre. Voilà. Deux belles cartes. Raikou GX et Andei. Ensuite, on a la Giant Cash. La Jumbo. Très belle carte, hein, Suikin, Entei, Raikou. Dans leur Raikou, Entei et Suikin. Suikin, je sais pas comment ça se dit. Donc là, on a 5 beaux petits boosters. On a la Jumbo, les gars. Donc là, je vous dis, on est parti pour ouvrir. Donc là, en tout, dans cette vidéo, on aura ouvert 14 boosters, ce qui est déjà pas mal. Ah non, pas 14. Non, parce que là, on en a pas 6, on en a 5. Et du coup, 6 plus 5, ça fait 11. Ah oui, non, on en avait un peu moins que la dernière fois. Mais ici, les gars, les paquets sont plus diversifiés. Et on va terminer sur le... Donc là, les gars, on a du offensive vapeur, on va terminer sur lui. Parce que si on a celle que je veux, je vous dis pas. Ce qui m'étonnerait quand même, parce que sur un seul booster, faudrait que j'ai une chance de taré, hein. C'est, on va pas se le cacher. Une chance de taré, on appelle ça une chance de taré. Mais si je l'ai, c'est incroyable. Mais si je l'ai, je sais même pas si c'est vraiment sur celle-là, mais je sais que c'était au moment XY. Mais bon, c'est pas grave. Bref, je vais arrêter de blablater. Admirons. Donc là, on a du énergie acier. Boumata, Mars, Rome électrique, Chaglam, Blizzy, Hippopotas, oui. Lixi, Araqua, Rome feu, Maganon. Oh, holo, mais j'ai que des holos, moi, c'est incroyable. Ok, it's incredible. Ok, encore un ultra prisme, les gars. Donc là, les deux commandos, c'est des ultra prismes. Ensuite, ben, je vous dis rien. Vous dire. Ah putain, c'est le premier tout. C'est le tout premier. Putain, c'est incroyable ça. Je l'avais jamais ouvert celui-là. Ultra prisme aussi, mais vous verrez lequel j'ai jamais ouvert. Parce qu'il y en a où j'ai jamais traité. Voilà. Encore une énergie acier. Énergie acier. Sériflore. Arguste. Dinoclier, putain, j'y arrive pas. Mustéboué, Riolu, Grignot, Cradopode, Tortipousse,
Blizzard, waouh! Et oh mon de Dieu, nom de Dieu! Les gars, là on vient d'avoir une carte incroyable. Je l'avais jamais vu en plus. Les gars, on est tombé sur une putain de secrète. Sur deux boosters ultra prison, on tombe sur une putain de secrète. Mais tant pis si vous voulez la mieux la voir. C'est incroyable. Je deviens fou. Cette ouverture est géniale, les gars. Je fais le petit truc. Donc là, les gars, on ouvre un soleil et lune basique, donc normal. Donc là, les gars, on a énergie poison. Et flèche, ratatac d'Alola. Froussardine, Paras, rapace d'épique, Flamiaou, Manglouton, Aragdo, Oratoria et Aquaquack, nul. Alors, les gars, on passe sur du ombre ardente. Donc, soleil et lune, ombre ardente, je vais vous montrer l'illustration. C'est oh, mais généralement c'est pas. Moi j'aime pas trop cette série-là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Attendez. Oh non! Si c'est une rare. Ah non, par contre, si celle-là c'est une rare, je suis dégoûtée. Je viens de voir l'arrière de la carte rare. Enfin, je sais même pas si elle va être rare, mais j'espère pas parce que là elle était éclatée. Mais bon, c'est pas grave. Énergie feuille. Kiaoui. Pyrogon Z 2 Pyrogon Z 2 Chrysacier, sac de nœuds, Anchouate, Crabagar, Sépiatope en eau. Non, c'est pas en. Ah non, me dis pas que c'est une. Putain, c'est une rare. Ah non, c'est pas une rare. Donc là, on a du lampignon et les câbles. Et regardez, la dernière, elle était complètement dégommée ici. Hop là. Voilà. Donc les gars, le tout dernier booster. Dites-vous que sur 5 boosters, on a une secrète. C'est déjà incroyable, hein. C'est déjà juste incroyable. Vous êtes prêts? On va ouvrir le plus vieux booster de cette ouverture. Bon, il est pas si vieux que ça, hein, mais bon, il date quand même de. Oh, je sais pas moi combien il date. Donc, ça fait pas mal de temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il date de 2015-2016. Ça fait 10 secondes, j'ai regardé la date. 2016, 2016, ok, j'avais bien raison. Oh non! Non! Oh! Non! Non, merde! Quoi? Non, je me suis tollé! Non! Mais c'est pas une rare. Hein. Donc c'est Brutalibré, Capidextre, Galopa, Granipio, Passerouge, Flingouste, Capmain, Yanma, Baudrive et Clic-Clic-Clic. Clic-Clic-Clic. En holo. Très belle carte. Putain, allez, bien. Donc les gars, cette ouverture pour moi est incroyable. Parce que... Bref, rien à dire. Je montre les cartes qu'on a eues et c'est, ben... elles parleront d'elles-mêmes. Déjà les gars, on a les deux sorts de Mewtwo. Ça nous complète tous les Mewtwo, Mewtwo Full Art, Mewtwo Basique et les gars. En tout, on aura eu sur 11 boosters, on aura eu 3 rares. Donc je compte pas les promos. Mais on a eu 3 rares mais exceptionnels. Donc là, je n'ai rien. Carton. Non, oui. On a eu ça. On c'est une bonne ouverture, clairement. C'est une très bonne ouverture. Parce que pour avoir une secrète. Une belle secrète en plus. Hein. En plus, c'était quel pack? C'était quelle année la secrète là? 2018, ouais, bah, ouais c'est quand même une secrète, quoi. On a une secrète sur 11 boosters. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui était incroyable, où on avait ouvert 12 boosters, mais c'était 12 boosters incroyables. En gros, on avait eu, allez.
Dans le dernier vidéo, les gars, je ne vous spoil pas, allez voir. Si cette vidéo fait plus de vues que la dernière, ce n'est pas normal. Alors, ce n'est pas normal que cette vidéo fasse plus de vues que l'autre parce que l'autre, elle est juste incroyable. L'autre, les gars, on a eu, je vous dis bien. Je vous dis rien. Voilà, c'est bon. Je vous dis rien. Non, je vous dis rien. Je ne vous dirai rien. Faire. Donc en tout, on aura eu 5 cartes. C'est bien. 5 cartes rares. Plus la jumbo qui était incroyable aussi. Hop là. Par contre, je vais mettre clic-clic dans un petit protège-carte là. Parce que c'est quand même une 2016 holo. Ça, c'est quand même, bah, c'est quand même 2016 quoi. Ça fait 3 ans. Hop là. Je la mets. Et je trouve la carte magnifique. Donc voilà, attendez les gars, juste, donc comme je disais dans la dernière vidéo, donc je faisais un concours, et donc la carte vous sera livrée avec un protège-cœur bien évidemment, si bien sûr des gens veulent y participer. Dans un protège-cœur, donc les aussi cartes seront dans un protège-cœur, et les... Petit code promo, pour ceux qui restent, pour les fidèles, donc ça je peux déjà aller le jeter, hop. Donc voilà. Donc question sous protège carte, les gars vont vous arriver. Si jamais vous jouez, bien sûr. Donc je compte renommer la carte de la chaîne. Je compte la renommer. Parce que du coup là, on est toujours sur du opening de cartes Pokémon. Peut-être de temps en temps une vidéo sur la collection, mais ça. Voilà, principalement on ne fait pas que. Voilà quoi. On fait moins de vidéos de collection. Maintenant on passe plus sur des cartes Pokémon, les gars. Parce que les cartes Pokémon, c'est génial. Ça ne va pas se cacher, tout grand collectionneur dirait ça. Je ne dis pas que je suis un grand collectionneur, mais j'ai quand même des belles cartes, faut pas se le cacher. J'ai quand même. Ah oui, ça c'est vrai, je vous ai. Ah oui, je vous ai toujours pas montré la vidéo, mais je vous la ferai bientôt. Très bientôt, certainement. Très bientôt, les gars. Une vidéo où je vous montre les cartes les plus rares de la collection. Si vous avez vu toutes les vidéos jusqu'ici, si vous avez toutes suivies. Vous savez déjà deux cartes sur les quatre les plus rares de ma collection. Donc, les gars, j'ai mis le Yveltal en sous-protection, ce que je le trouve magnifique. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour le concours, finalement, hashtag TheRoark dans les commentaires, je prendrai au pif, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. C'est tout. Donc voilà. Je vous dis, si vous voulez, dans les commentaires, vous voulez voir l'état des cartes pour les avoir, vous voulez être sûr qu'elles soient nickel, demandez-moi dans les commentaires. Je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. Et si vous voulez, on commence le concours dans la prochaine vidéo. En tout cas, il sera toujours valide jusqu'au moment où il y a plus de 6 personnes qui demandent quelque chose. Parce que du coup, en tout, on aura 12 objets que je pourrais vous donner. Ça sont protection et les autres aussi sont protection. Bon, ouais. Donc voilà les gars, donc c'était une ouverture géniale. J'ai kiffé l'affaire, surtout en votre compagnie. Donc moi je vous dis, non d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Et sinon moi je vous dis, bye bye.